Bonsoir à tous, 18h pile, un petit peu plus, on vous l'accorde, et nous sommes jeudi soir. Et comme chaque jeudi soir sur 01 à la TV, c'est parti pour vos 30 minutes d'actualité high-tech de la semaine. C'est 01 à la Webdo, nous sommes ravis de vous retrouver. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Commander sa lessive, son dentifrice ou son papier toilette sur Internet, mais sans smartphone ni ordinateur, juste en cliquant sur un bouton, ça y est, les Dash Buttons arrivent en France. Alors, c'est un gadget ou une révolution? On va voir ça en détail ce soir avec Éric Le Bourlou. Une PlayStation 4 vitaminée, mais qui n'est pas vraiment révolutionnaire. Hein. C'est la PlayStation Pro, la PlayStation 4 Pro. Aymeric Siméon l'a testée. Il va tout nous dire. Vous verrez, il est mitigé. Les Français plus fichés que jamais avec le fichier administratif TES, c'est la polémique de la semaine. Alors y a-t-il vraiment lieu de s'inquiéter? Delphine Sabatier nous expliquera tout dans sa chronique Zoom Actu ce soir. Voilà, avec Bernard Cazeneuve en, gros, en guest star. En guest star, en guest star dans 01 Live Hebdo. Voilà, et puis enfin les spécialistes du labo 01net nous seront là bien sûr et nous ferons découvrir leur dernière trouvaille. Un nouveau PC portable tout à l'heure. Signé MSI, c'est un PC portable gamer, et puis un drone parode qu'on a testé hier avec David Noguera, qui est très sympa. Voilà. Qui lance des billes, c'est ça? Voilà, et on s'amusait dans le labo à viser tout le monde, c'était rigolo. Ouais, c'est pas joli joli. Hein. Non, c'est pas beau parfois. Comme d'habitude, 01 Live Hebdo, votre débrief hebdo de l'actu high-tech, c'est interactif. Vous pouvez poser vos questions, faire vos commentaires en direct. Pour cela, un seul chemin, Twitter, hashtag 01 Live. Il a tout dit, soyez les bienvenus, c'est parti. Et donc, pour débuter, c'est notre question 01net orange, hein, Jérôme. Et cette semaine, on va s'intéresser à un sujet qu'on va évoquer dans une seconde avec Éric Le Bourlou. Eh bien, ce sont les Dash Buttons. Ouais, les boutons connectés d'Amazon. Êtes-vous tenté par ces Dash Buttons d'Amazon? Alors, c'est peut-être difficile de répondre pour l'instant si vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit. Oui. Donc, regardez 01 Live et ensuite, vous allez sur 01net.com pour nous donner votre avis. Voilà. Bon, on est franc avec vous, il y a écrit votre chapeau, ça ne devrait pas être là. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que le gars qui a écrit ça avait un chapeau, on ne sait pas. Hein. Mais bon, on va vite essayer de régler ce problème. Vous avez vu comment ils écrivent chapeau ici. Hein. Oui, en plus, ils écrivent bizarrement. Non. Bon, en tout cas, oui, non, n'hésitez pas à voter si vous savez ce que c'est les Dash Buttons. Mais si vous ne savez pas, il va tout nous expliquer. Éric Le Bourlou est là, salut Éric. Madame. Salut Éric. Rédacteur en chef de 01net.com. Bonsoir Éric. Oui, ça va bien. Alors, tu es venu avec un petit bouton. Ouais. Voilà, qui est ici. Un petit bouton. Alors, je ne suis pas sûr. Alors, ce qui est dingue. Alors, attends, je vais le montrer. Hop là. Le produit, c'est qu'on est obligé de faire un peu de pub. Hein, parce que forcément, oui, c'est ça. Oui. Voilà, c'est un bouton Lipton. Voilà. Il y en a plein d'autres. Il y a des boutons. Le petit Marseillais, les boutons. Voilà. Le chat, les boutons. Gillette. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bouton? C'est ce que vient de présenter Amazon en France. Hein. Alors, pour la petite histoire, ces Dash Buttons ont été présentés l'année dernière. Et ils ont été présentés le 31 mars 2015. Alors, le 31 mars 2015, c'est juste avant le 1er avril. Et quand Amazon a dévoilé ces boutons l'année dernière, tout le monde s'est dit, mais c'est une blague. Ouais. C'est un poisson d'avril. Amazon se moque de nous et ils ont fait une grosse blague. Voilà. En fait, non, c'était pas du tout une blague. Ils ont bien été lancés le 31 mars 2015 aux États-Unis. Et voilà, un peu plus d'un an plus tard, ces boutons débarquent en France. Donc ça fonctionne déjà aux États-Unis. Ouais, ça fonctionne depuis un an. Et ça va arriver en France la semaine prochaine. Voilà, c'est précommandable et ça arrive à partir du 15 novembre. Donc pour tous les clients Prime, enfin Premium, pardon, ce n'est accessible ces boutons qu'aux gens qui souscrivent à l'option Premium d'Amazon. Premium, c'est l'abonnement annuel, voilà, 50 euros par an pour des livraisons rapides. Enfin, 50 euros par an en Europe, mais par exemple aux US, c'est beaucoup plus cher, c'est 99 parce qu'il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de services. Et voilà, effectivement, Amazon à chaque fois agrandit le pack de services qu'il livre avec ces services premium. Alors tu le sais peut-être pas Eric, mais j'ai un problème, je suis très compulsif envers les boutons, donc là depuis tout à l'heure j'appuie sur le bouton Lipton, ce qui fait que tu vas recevoir sans doute des tonnes et des tonnes de sachets Lipton. Oui, c'est vrai. C'est non, ça non, en fait, non, heureusement. Déjà, parce que ça sert à quoi, voilà, ce bouton, en fait? Alors, comment ça marche? C'est un bouton Wi-Fi, hein, c'est du Wi-Fi à l'intérieur, mais complètement passif. Donc là, du point de vue de l'autonomie, ça dure plusieurs années, on ne nous dit pas combien exactement, mais c'est un bouton complètement passif, je pense qu'ils ne savent pas vraiment. Vous collez ça
ça chez vous, alors typiquement à l'endroit où se trouve votre produit, le produit que vous voulez acheter. Hein. Ouais. Il y a un autocollant hein, derrière. Il y a un autocollant. On peut l'enlever. Vous le configurez via l'application Amazon sur votre smartphone. En gros, ça consiste quoi? Ça consiste d'abord à l'associer à votre réseau Wi-Fi, hein, simplement qu'il reconnaisse votre clé Wi-Fi, puis à choisir sur Amazon le produit que vous voulez acheter à chaque fois quand vous appuyez sur ce fameux bouton. En fait, ce bouton, vous manquez de thé, par exemple, bientôt vous n'avez plus de thé, vous appuyez sur le bouton et effectivement, Amazon automatiquement vous livre le produit le lendemain qui vous manque dans votre foyer. Mais il faut dire que c'est pour les produits qu'on consomme régulièrement. Exactement. Hein, ceux qu'on rachète de manière machinale. Voilà. En fait. Il n'y a pas bouton perceuse, par exemple. Ou Samsung ou Apple. Ou voiture ou smartphone. J'ai envie d'une voiture aujourd'hui. Bim. Voilà. Non, effectivement, c'est vraiment pour des produits du quotidien et Amazon dit effectivement que c'est fait pour éviter de s'ennuyer à faire des courses pour des produits qui ne le méritent pas forcément parce que c'est des choses, du papier toilette, des couches, tous ces trucs-là. Vous avez un bouton dans votre salle de bain qui vous permet effectivement de le commander immédiatement. Moi, je trouve ça hyper malin. Ben, moi aussi, franchement. Mais je crois qu'Eric n'est pas convaincu. Non, c'est pas que je suis pas convaincu, c'est que je trouve que. Mais nous, on est dans des gros consommateurs, ouais. On est des compulsifs. Là. On ne devrait pas le dire, mais Amazon, c'est un peu notre vie. Quoi. Ouais. On ne devrait pas le dire, hein. Je le sais, mais c'est plus fort que nous. C'est un peu notre perte aussi. Oui, c'est un peu ça complètement. Alors, moi, ce qui me gêne avec ces boutons-là, c'est que déjà, vous faites entrer certaines marques dans votre foyer. C'est-à-dire que déjà pour Amazon, c'est un support publicitaire. Ah, et pour les marques, c'est un support publicitaire. Vous faites rentrer donc des petits boutons comme ça au nom au logo frappé d'une marque dans votre cuisine, dans votre salon, un peu partout. Enfin, les marques elles sont déjà dans nos cuisines depuis longtemps, Eric, quand même. Certes, mais là vous achetez donc vous devenez un client ultra fidèle non seulement d'Amazon mais de cette marque. En fait, c'est vrai. On a du mal à changer. Si on veut tout d'un coup essayer une autre lessive, vous êtes condamné à utiliser la même lessive ou la même marque. Enfin, condamné. Alors, c'est pas condamné tout de suite les grands mots au carrefour du coin et acheter notre tessie. Vous serez exécuté sur place. Si vous êtes absolument fan de cette, c'est vrai que ça peut être très pratique de dire voilà, on va pas se prendre la tête, on va juste appuyer sur le bouton et le lendemain je reçois le produit. Mais justement, est-ce qu'on va pas, c'est très facile, ça marche très bien. Mais alors condamné, c'est peut-être un mot fort, mais effectivement, vous êtes lié quand même d'une certaine manière à une marque et à Amazon. Oui, c'est le point faible, c'est que par exemple Lipton, il y en a des dizaines et des dizaines de thé. Là, j'imagine qu'en appuyant, je prends toujours le même. Vous choisissez en fait sur l'application le produit Lipton choisissez. On choisit au début. Et puis on peut changer. Et après on peut changer évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que ça pose quand même cette question de ce lien qu'on a avec Amazon et la marque, d'autant qu'évidemment on n'y voit pas le prix sur ce truc. Ah bah si le prix évolue, vous ne le saurez que quand si vous regardez votre application, alors Amazon vous envoie à chaque fois les amis, une notification. On a des questions. Alors on a une remarque de Caribou qui fait une blague en parlant de. On peut pas tout à fait la dire. Mais on va la dire sur l'hashtag de 01 live, non, vous la verrez. Attends, pour être clair, il parle d'une marque de préservatif. Oui, tout à fait. Eh bien, ce n'est pas un gag, ça existe. Il y a une marque de préservatif qu'on peut commander. Ça marche aussi pour les préservatifs, oui, tout à fait. Voilà. Il y a Yanis qui nous dit ces boutons vont nous rendre encore plus paresseux qu'avant. Je sais pas. Est-ce que c'est plus paresseux que de se mettre dans son canapé avec son smartphone pour commander les fameux sacs poubelles ou lessives? C'est pas sûr. Et puis question, est-ce que ça peut fonctionner aussi chez un autre vendeur, par exemple à la Fnac? Alors ce bouton-là. Alors non. Bon, la Fnac ne vend pas beaucoup de Lipton. Hein, ou alors ils ont changé. La Fnac a beaucoup changé. Oui, c'est en vrai. Même temps, hein. Ça ne marche évidemment que sur Amazon et avec les produits, parce qu'évidemment ça, on ne connaît pas les chiffres, mais évidemment il y a de juteux contrats entre ces marques-là et Amazon sur le produit en question. C'est un bouton monofonction. En fait, ce qui est intéressant avec ce produit aussi, c'est que c'est l'application du paiement en un clic. Hein, c'est ce qui a fait aussi le succès d'Amazon. Le paiement en un clic, c'est breveté, c'est Amazon. Dans le monde physique, dans l'internet des objets. Mais ça, c'est vraiment une vraie nouveauté. Et puis, il y a la question que tout le monde se pose, François. Exactement. Eric, si un peu comme moi, un enfant s'amuse à appuyer sur le bouton toute la journée, comme ça, il y a une sécurité ou tu reçois 50 fois le même produit? Non, il y a heureusement une sécurité, c'est-à-dire qu'en fait, Amazon ne compte qu'une seule pression de bouton. À partir du moment où vous appuyez une fois,
vous ne pouvez plus, enfin vous ne pouvez plus recommander. Il faut en fait attendre la livraison et là en fait c'est réinitialisé. Vous pouvez rappuyer sur le bouton. Alors, rappelons que ça coûte que quelques euros et c'est remboursé à la première commande. Ça coûte 5 euros en fait et c'est remboursé à la première commande. Ouais. Encore un mot, Eric. En fait, ce n'est qu'un début. Amazon veut aller encore plus loin dans la fourniture comme ça de ses produits récurrents. La fourniture automatique de produits sur ton corps. Mais en tout cas, c'est là et ça c'est extrêmement intéressant aussi. C'est ce qu'ils lancent avec ces boutons. Ça s'appelle le Dash Replenishment Service. Ça, c'est directement intégré à des objets connectés. Ça peut être par exemple un lave-vaisselle, votre machine à laver ou encore une petite carafe à eau avec des filtres, vous savez. Ouais. Et en fait, ces objets vont savoir d'eux-mêmes quand ils ont besoin d'avoir de nouveaux consommables, typiquement de la lessive pour la machine à laver ou alors changer de filtre pour une carafe. Et automatiquement, ces objets vont commander d'eux-mêmes le produit sur Amazon. Donc là, il n'y a plus aucune intervention. Ah oui, c'est formidable. T'imagines, le produit, il en a marre, il veut changer. Voilà. Ou il se trompe. Je pense que y a matière à réflexion de voir que Amazon quand même propose des technologies qui permettent à nos produits de commander eux-mêmes des consommables. On va pas faire les innocents, on savait bien que ça allait arriver, ça. Hein. Les objets connectés, c'est communicants, vrai, c'est vrai. Etc. C'est vrai, mais et ça, c'est déjà en service ou pas encore? Oui, c'est en service. Alors, il y a 6 marques qui sont partenaires d'Amazon pour ce lancement. Il y a notamment Whirlpool, Brita, etc. Super. Merci, Eric. Merci. Merci Eric beaucoup. Bourlou, donc, qui va recevoir, on l'a dit, quelques palettes de Lipton. J'espère que tu aimes ça. Oui. Je préfère le café, mais bon. Tant pis pour toi. Très bien. Aymeric Simon est avec nous. Salut Aymeric. Bonsoir. Bonsoir Aymeric. Bonsoir. Vous le savez, c'est notre spécialiste hardware gaming sur zeronet.com. Je vais lui faire de la place. Et Aymeric, vous savez qu'il a entre les mains quand même un produit qui est très convoité actuellement. Oui. C'est la nouvelle PlayStation 4, la PlayStation 4 Pro. Pro. Voilà, elle n'est pas faite pour les pros. Hein. Ce n'est pas une PlayStation pour les développeurs. Oui, voilà. On peut l'acheter. Voilà, c'est ça. D'accord. On va tout de suite être clair. Oui, hein, c'est, soyons clairs. Voilà, elle est lancée aujourd'hui dans le commerce à 400 euros. 400 euros. Voilà. Aujourd'hui même. Aujourd'hui. Et elle est sur Zeronet TV en direct. C'est beau, voilà. Ça, quand même. Hein. Magnifique. Ouais. Bon. C'est un gros bébé, dis donc. Hein. Oui. Hein, oui. On a l'impression que c'est une espèce de gros panini avec plusieurs couches. C'est ça, alors moi je l'associe à un sandwich bien connu d'un fast-food. Hein. Oui. Voilà, donc en fait il y a vraiment trois tranches de pain. Voilà. Il y a trois tranches de pain, clairement. Un peu à midi, donc là il commence à avoir. C'est ça. Donc elle est plus haute que la PlayStation de première génération. La PlayStation 4 de première génération est un peu plus haute, elle a gagné un étage. Mais parce qu'il y a plus de puissance à l'intérieur. C'est ça. Il y a plus de puissance à l'intérieur. Alors, il y a fondamentalement plus de puissance graphique à l'intérieur. Ça, c'est indéniable. Après, au niveau des autres composants, le processeur a un tout petit peu évolué, mais pas tant que ça. Et il y a des raisons. Je vais y revenir après. Et surtout, Sony a aussi rajouté 1 giga de mémoire. Alors, pas de mémoire vidéo, mais vraiment de mémoire système. Ce qu'on a un peu dans nos PC, ce qui pourrait être l'équivalent de la DDR3, en fait. D'accord. Donc, tout ça, en fait, à vocation à... C'est pour le système d'exploitation, ça va... Alors pas seulement, ça. Effectivement, l'ajout de mémoire va avoir un effet plutôt bénéfique sur le système d'exploitation, parce que maintenant il faut qu'il s'affiche en 4K lui aussi, hein, puisque c'est un peu tout l'enjeu de cette console, c'est d'arriver à faire de la 4K, et donc d'afficher tous nos jeux en 4K. Alors l'interface de la console est en 4K, et le fait d'avoir mis plus de mémoire, ça permet aussi d'accélérer le passage d'une application à l'autre. Par exemple, je joue, je lance Netflix, par exemple, je reviens à mon jeu, eh bien Netflix, plutôt que d'être stocké dans la mémoire vidéo, et donc qui pouvait de temps en temps être un peu un frein pour certains jeux, va maintenant être stocké dans cette mémoire système. Ce qui fait que ça permet à Sony de pouvoir libérer 500 mégas de mémoire vidéo en plus pour nos jeux. Donc, bien, ça. Ça participe à les rendre. Là, on voit des images donc là de Tomb Raider. Oui, c'est ça. C'est ça. Qui a donc été optimisé. C'est pour ça. La PlayStation 4 voilà. Pro. Ouais. Il y a très peu de jeux encore optimisés. Hein. Alors aujourd'hui une petite trentaine. Mm-hmm. Avant la fin de l'année 45. Et l'année prochaine, Sony nous promet que la très très grande majorité des jeux seront optimisés pour cette nouvelle console. Alors on s'entend. Tous les jeux optimisés, ça ne veut pas dire je suis obligé d'acheter une PS4 Pro dès demain pour pouvoir continuer à jouer aux jeux de 2017. Sony garantit que tous les jeux développés pour l'écosystème PS4 seront compatibles tant avec le premier modèle ou d'accord. le Slim, d'accord, ouais. PS4 normal, PS4 Slim, mais également avec la Pro. Ça veut dire que j'achèterai dans le magasin ou en téléchargement un seul et unique jeu. C'est ça. Et qui automatiquement saura s'il est sur une PlayStation 4 Slim ou une PlayStation 4 c'est Pro. Ça. Et à ce moment-là, sera, on va dire...
augmenté. Quoi, à la condition qu'il soit optimisé, effectivement. Parce qu'il y a des jeux qui ne le seront pas forcément l'année prochaine. Il y aura peut-être certains jeux qui ne le seront pas. Alors comment ça se passe? J'achète une PS4 Pro demain, par exemple, parce que ça me fait envie. Alors, mais j'ai envie de jouer à mes anciens jeux. C'est une bonne raison. Moi, franchement, j'en ai envie. Il n'y a rien à dire. Hein. Parce que je suis pas équipé. Autant il y a des sujets un peu plus polémiques actuellement, mais celui-ci, il passe bien. Alors typiquement pour le PlayStation VR, on pourrait être un peu plus... Voilà, mais pour la PS4 Pro... Tu pourrais être forcé aussi. Oui, c'est vrai. C'est ça. Alors, si j'ai déjà des jeux, pas de problème, la console va adapter sa puissance aux vieux jeux, surtout s'ils ne sont pas optimisés. Donc là, on ne change rien. Les jeux vont s'afficher d'eux-mêmes, naturellement, comme... si ils étaient sur une PS4 de première génération. C'est-à-dire que la mécanique interne de la console est capable de finalement se mettre au niveau de l'ancienne. Maintenant, si mon jeu est optimisé, alors là, youpi, les composants donnent tout ce qu'ils ont. Et là, on va pouvoir monter tant en définition d'image qu'en graphisme, qu'en fluidité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enfin atteindre le synchro-sein 1080, 60 images secondes réclamé à corps et à cri. Ça va être très largement possible sur les jeux. Donc les jeux vont être de meilleure qualité, pas forcément tous, hein. Faudra que les développeurs... C'est ça, les anciens jeux en tout cas, ouais. Voilà, tout à fait. Même ceux à venir. Patchs, Il y en a déjà beaucoup. Oui, oui, il a dit tout à l'heure, 30 à 45, ouais. Alors, chose importante, tout est en 4K à l'intérieur, c'est-à-dire que par exemple, j'installe l'appli Netflix, je pourrais regarder des programmes en 4K si j'ai le débit qui va derrière. C'est ça. Et la télé est compatible. Enfin, et la télé compatible. Cela va de soi. Ça, c'est sûr. La question que nous pose aussi Caribou, qui décidément est très fidèle ce soir, pas de lecteur Blu-ray dans la 4K, dans cette PlayStation... Pas de lecteur Blu-ray 4K dans cette PlayStation 4 Pro. Et il trouve ça... Enfin, il n'est pas content, quoi. Voilà, il dit que c'est n'importe quoi. Alors, il a raison ou pas? Oui. Merci. Merci beaucoup, Aymeric. En plus, on va dire qu'il a été même assez développé. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on peut reconnaître que là, Sony a fait un peu petit bras en mettant pas de lecteur 4K, alors que la concurrence le propose. Mais en même temps, la concurrence ne propose pas une console. Donc la Xbox One S, qui elle intègre lecteur Blu-ray Ultra. Mais la Xbox One S n'est pas au niveau de performance de celle-ci. On s'entend. Enfin, voilà. Donc, et Sony a clairement dit que dans une philosophie de dématérialisation et qu'aujourd'hui, on consommait beaucoup plus les flux 4K, les films, les séries, enfin bref, tout ce qu'on veut, on le consommait plus de façon, on va dire, déportée en stream, eh bien, eux ne voyaient pas l'intérêt de placer un... Joli marketing, ils ont bien joué, c'est bien dit. Très bien, alors la question, peut-être pour terminer celle de Yannis, faut-il craquer vraiment pour cette PlayStation 4 Pro? Alors, il y a une vidéo qui vous attend, sur Zéronet TV, où tu nous donnes véritablement tous les détails. C'est ça. Alors, moi, ma réponse, elle est très simple à cette question. Si vous êtes déjà équipé, et que vous êtes très bien content comme ça, ne changez rien. Ça ne sert à rien d'acheter la PS4 Pro. Voilà. En revanche, si vous avez envie de découvrir l'écosystème PS4, alors oui, optez pour la PS4 Pro, c'est un bon choix. Il y a 100 euros d'écart entre les deux. Il y a 100 euros d'écart entre la Slim et la PS4 Pro. Ouais. Et parce qu'en même temps, c'est la garantie de pouvoir jouer dans les meilleures conditions aux jeux qui arrivent. Voilà. Que Bourlou, tu vas craquer ou pas? Ouais, c'est possible. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant de voir que c'est la première fois que ça arrive. Déjà, c'est la console, on va dire, la plus puissante qui ait jamais été conçue. Hein, tu me corriges si je me trompe, mais voilà, c'est la console la plus puissante du marché. Et puis, c'est intéressant de voir que sur une même génération de consoles, maintenant, les constructeurs s'amusent à faire des upgrades comme ça. Et on va voir ça sans doute aussi avec Microsoft l'année prochaine. Le fameux projet Scorpio. On l'a déjà vu avec la Xbox One S, mais là, ça... C'est vrai que ça va un peu plus loin. Voilà. Messieurs, merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Dans un instant, on parle de la polémique de la semaine avec Delphine Sabatier. Sommes-nous tous fichés par ce nouveau fichier TES? Mais avant cela, les dash buttons, c'est, on en parlait tout à l'heure avec Eric, c'est la question 01net Orange du jour. Êtes-vous tenté par ces dash buttons d'Amazon? Pour l'instant, ce n'est pas franchement la passion. Hein. Non à 63%. Ouais. Voilà. Bon. Nous, je pense qu'ils n'aiment pas le thé. Vous n'aimez pas le thé? On a voté oui, nous. Hein. Nous, on a voté oui. Mais voilà, on est un peu gogo, nous, avec ces trucs-là. Ouais, c'est ça. Écoutez, vous savez quoi? On revient dans un instant avec Delphine Sabatier pour le Zoom Actu. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Bonsoir Delphine Sabatier, directrice des rédactions de 01net. Delphine, je le disais, c'est la polémique de la semaine, la création d'un méga fichier biométrique, le fameux TES, on en a beaucoup parlé. Rappelez-nous d'abord exactement de quoi il s'agit.
TES comme titre électronique sécurisé. On peut aussi l'appeler le fichier des gens honnêtes, puisque c'est censé protéger ceux qui ont des vrais papiers. Il y en a d'autres qui préfèrent le traiter de fichier monstre ou encore de décret Halloween, puisque finalement c'est un décret qui est passé le dimanche 30 octobre dans la plus grande discrétion. Alors, il fout la citrouille donc. Qu'est-ce qu'il fout la citrouille? Pas mal. Il fout la pétoche aussi. Alors qu'est-ce qu'il va faire ce fichier? En fait, il va fusionner dans une même base de données tout ce qui concerne votre passeport et votre carte d'identité. Aujourd'hui, ce sont deux fichiers distincts, donc ils se retrouveraient dans la même banque de données, ce qui veut dire qu'à peu près l'ensemble des citoyens français de plus de 12 ans se retrouveraient dans une base de données commune. Et c'est ça aujourd'hui qui inquiète évidemment, notamment le Conseil national du numérique qui en début de semaine a manifesté son étonnement, son désarroi et a demandé carrément la suspension du décret constituant ce fichier et a appelé à une vraie consultation. Qu'est-ce qu'on reproche à ce fichier, Delphine ? Alors, on lui reproche beaucoup de choses, mais il y a deux vrais grands dangers qui sont mis en avant, notamment par le Conseil national du numérique. Le premier, c'est quelle va être la finalité de ce fichier, c'est-à-dire que quel est le danger quant à l'utilisation qu'on va en faire. On peut imaginer le pire, évidemment, par exemple, l'identification systématique des personnes à partir de leurs données biométriques. Ça voudrait dire que, je ne sais pas, vous passez dans la rue, une simple caméra de vidéosurveillance permettrait de reconnaître qui vous êtes et de donner toutes les informations sur vous. Ça fait penser effectivement aux fichiers de l'époque de Vichy, enfin tout ça est un petit peu angoissant. Le gouvernement rappelle quand même que c'est absolument impossible puisque c'est interdit par le décret, on n'a pas le droit de faire d'identification à partir de cette base de données. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, dit même que pour y arriver, il faudrait carrément changer la constitution française. Donc il garantit qu'il n'y a pas ce risque-là. Le Conseil numérique dit oui, mais dans un contexte de montée des populismes en Europe et tout ça, nous on est quand même inquiets. Deuxième danger, là beaucoup plus plausible et concret, je dirais, c'est juste la sécurité informatique. Comment on va sécuriser un fichier aussi monstrueux qui va représenter évidemment une manne, puisque ça a une valeur inestimable de se dire qu'on va avoir l'ensemble des Français regroupés dans une même base de données. Alors, je crois que l'objectif, c'est vraiment pas de remettre en cause, le fond de ce décret, c'est plus de trouver des solutions pour qu'il respecte mieux la vie privée et qu'il soit mieux sécurisé. Et alors, comment, malgré tout, le gouvernement justifie-t-il cette initiative ? Alors, ce qui est intéressant et un petit peu loquace dans cette histoire, c'est que ce fichier a été présenté par le gouvernement précédent et que la gauche était vent debout, estimant que ça posait un vrai problème. Alors là, ce décret a été à nouveau présenté donc sous gouvernement de gauche. Bernard Cazeneuve nous dit que toutes les réserves ont été prises en compte parce qu'à l'époque, le Conseil constitutionnel l'avait quand même rejeté. Donc ce texte aurait été modifié prenant en compte toutes les réserves du Conseil constitutionnel. L'ancien gouvernement d'ailleurs soutient. François Fillon a dit que tout à fait. Il réitère la nécessité de ce fichier. C'est la motivation principale. Je le disais au début, c'est de lutter contre les faux papiers. C'est-à-dire que très rapidement, on pourrait consulter une base commune qui permettrait de voir si on est face à une usurpation d'identité ou pas. Donc c'est vraiment la protection du citoyen qui est mise en avant. Et est-ce qu'il y aurait des alternatives à la création de ce fichier, ce méga fichier en fait ? Alors il y en aurait. Il y a une piste qui est intéressante, qui a été proposée, qui serait d'intégrer finalement ces données dans une puce, puisqu'aujourd'hui les données biométriques sont intégrées dans votre passeport. En revanche, ce n'est pas le cas sur la carte d'identité. Oui. Ça serait d'intégrer dans une puce l'ensemble de ces informations aussi sur votre carte d'identité. Ça change quoi ? Ça change que le citoyen est à nouveau propriétaire de ces informations, c'est-à-dire que c'est dans sa poche. C'est lui qui les garde et qui en est le garant de sa sécurité. Et pour la police, elle pourrait tout à fait, lors de contrôle d'identité, demander simplement à consulter cette puce. Donc ça semble effectivement une solution assez sécurisée. Mais ne nous emballons pas parce que Bernard Cazeneuve a quand même dit qu'il ne suspendrait pas le décret, qu'il tenait à la constitution.
restitution de ce fichier. Il a simplement, en revanche, changé un petit peu son discours. Il est prêt à engager un débat parlementaire. Donc, il n'y aura pas de vote, mais il y aura des discussions. L'objectif, c'est trouver des moyens de modifier peut-être le texte, surtout pour rassurer sur l'aspect sécurité informatique. Bah, et là, on attend des experts là-dessus. Delphine, je vais apporter une petite précision qui vient de tomber à l'instant même. Oui, parce qu'il y a une conférence de presse qui a été tenue par Bernard Cazeneuve là, il y a une heure. Et bien voilà, c'est l'AFP qui annonce qu'on pourra refuser que nos empreintes digitales figurent dans ce fichier. Voilà, c'est une petite concession qui est faite. Voilà, je pense qu'il y aura comme ça des petites concessions qui vont être faites. Il va y avoir aussi les experts de l'ANSSI sur la sécurité des systèmes d'information sur les systèmes nationaux qui va être consulté, qui va apporter sans doute des réponses sur nos interrogations quant à la sécurité qui va protéger ce fichier, mais on sait que rien n'est infaillible. Donc, c'est bizarre parce qu'on a beaucoup parlé de la CNIL dans ce... Alors, dans ils ont été consultés et ils ont regretté qu'il n'y ait pas eu d'étude d'impact vraiment conséquente sur la création de ce fichier. Merci beaucoup Delphine. Quel micmac cette histoire encore une fois. Et je m'en vais de ce pas voter pour le sondage parce que moi je suis pour les buttons Dash. Nous sommes trois. Ça fait plaisir sur ce studio. Dans ce studio, est-ce que Emerickien est pour les Dash Button entre deux parties de PlayStation 4, est-ce que tu commanderais du Lipton avec... Si on avait plus peut-être. S'il y avait plus de marques représentées. Il y en a 40 quand même déjà. Il n'y a pas de marque bio. 40, 30, 30. Ah oui, mais ça évite de faire les courses rébarbatives là au supermarché le week-end. Alors, je ne sais pas qu'il n'y en a pas, mais j'en ai pas vu. Voilà. Delphine, merci beaucoup, à bientôt. Et le petit Marseillais. Vous pouvez continuer à voter pour le sondage. Allez-y, continuez. Et puis hashtag 01live. Et hashtag 01live si vous voulez réagir en direct à ce 01live hebdo. Tout de suite, direction le labo. Et avant de parler tout à l'heure d'un nouveau drone assez incroyable avec David Noguera qui vient de nous rejoindre, on retrouve Aymeric Siméon. Eh oui. Mais là, j'ai troqué mes jouets. Que j'ai changé de console. T'es passé de la console au PC. Bon, voilà, c'est ça. Pour ma console préférée, tu dois faire rêver le PC. Il en faut pour tout le monde. D'internautes, quoi. Aymeric qui passe de la PlayStation 4 Pro vient de sortir à un portable gamer MSI à je sais pas combien de millions de dollars. Enfin bref, ça c'est ça. On garde rien, hein. C'est quand même ça qu'il faut préciser aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas un gigantesque magasin de jouets derrière dans lequel il y a tout. Oui, hein, au bout d'un moment, puis on va servir et tout ça, pas du tout. Hein. Voilà, tu rends tous ces produits avec plus ou moins de larmes d'ailleurs. Voilà, parfois, c'est ça. Voilà. C'est un peu dur. Ouais, c'est pas la peine d'envoyer des messages en disant donnez-les-nous quand vous avez fini. Oui, c'est ça. Malheureusement, on peut pas. Les bandes de vénards, tout ça, vous les gardez. Non, en fait, non. Pour de vrai, jamais. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce que tu as là sur ce studio? Tu nous as apporté quoi? Alors je vous ai apporté un petit PC portable MSI qui s'appelle de son nom barbare GS43 VR6 RE Phantom Pro. Alors pour les besoins du film, on va l'appeler que Phantom Pro, hein, parce que voilà, ça va être beaucoup plus simple dans la conversation. C'est sympa chez MSI, hein. Ouais, c'est sympa. Dans le sens de l'humour. Ouais, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres marques adorent alambiquer leurs références plutôt que de les appeler, je sais pas moi, 1, 2, 3, non, faut. Bon, ouais. Alors celui-là, il est sympa parce qu'en fait, il est assez représentatif de toute une nouvelle vague de PC qui est potentiellement, enfin, qui est en train d'arriver, c'est des vrais PC portables gaming à vocation ultra nomade. Je m'entends. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un ultrabook, on ne joue pas. Un ultrabook, c'est une machine à écrire 2.0 qui coûte très cher. Voilà, il n'y a pas assez de puissance graphique. Il y a de la puissance de calcul, mais il n'y a pas assez de puissance graphique. Avec les nouveaux PC qui sont en train d'arriver, il y a de plus en plus de formats en 13,3 pouces et 14 pouces qui vont vous permettre de jouer dans de très bonnes conditions. Alors ça, c'est rendu aussi possible grâce à la sortie des dernières cartes graphiques Nvidia, hein, parce que pour l'instant, faute de réponse d'AMD, pour l'instant, Nvidia trust le marché. Et ils ont réussi à mettre une de leurs dernières puces, la GTX 1060, dans ce portable. J'avais déjà testé une version précédente de cette machine avec une petite carte graphique qui était une 960M à l'époque et m'avait un peu laissé sur ma faim. Avec ça, alors là, tous les mauvais souvenirs sont oubliés. Là, il est content. On peut jouer à plein de trucs, c'est super bien. Là, tel que vous le voyez, il est heureux. Là. Voilà. Ouais. Et puis, il a passé un super week-end du 11 novembre, les amis. C'est ça. Je peux vous le dire. Donc, on peut jouer avec ça. Et bon, alors, effectivement, ça a un coût. Hein, par rapport à la PlayStation 4 Pro dont on parlait tout à l'heure. C'est combien de PlayStation 4 Pro, cette histoire? Alors,
je sais pas, j'ai pas fait le calcul, bah, mais 400. Ça coûte quand même 2 200 €. Bah, ça fait 5 2 200 €. 5 PlayStation 4. Ah mais on n'a rien sans rien. Hein, on peut pas avoir. C'est ça. Alors on a rien sans rien. C'est-à-dire que bon, c'est petit format, c'est très léger, il pèse moins de 2 kilos, pardon. Voilà. Et c'est vraiment puissant. On peut vraiment se faire plaisir à tous les derniers jeux. On est à 60, 80 images secondes avec beaucoup de détails en Full HD, puisque l'écran est Full HD, mat. Malheureusement, ce dernier n'est pas tout à fait à la hauteur du reste de la machine, c'est-à-dire que techniquement, il a quelques faiblesses. Mm-hmm. Mais bon, quand on n'a pas franchement un œil très averti, ou en tout cas pas forcément le critère principal qu'on va regarder quand on va acheter une machine de gaming, eh bien, avec ça, on a l'assurance de pouvoir aller jouer tant à la maison que chez les copains, en LAN party, enfin bref, on peut vraiment se faire plaisir. C'est vraiment une petite machine très sympa. Joli cadeau de Noël, hein, dis donc. Oui, voilà. Et il y en a encore plein d'autres qui arrivent. Oula. Donc voilà, donc dans les prochains Zéro en Live, je pense qu'on en verra d'autres. Faites chauffer la carte. Oui, enfin, en plus. Oui, c'est ça. C'est ça que c'est bon. Merci. Pas de problème. Pour l'instant, t'es à 2002 plus 400. Hein. Ouais. 2006. C'est pas mal. Plus les jeux. Et est-ce que David Noguera va faire mieux? Mieux, je sais pas, mais en tout cas, mes cadeaux, moi, ils sont beaucoup moins chers. Hein. Et ils volent en plus. Et ils volent en plus. Ouais, voilà, c'est ça qui est beau. Ouais, je vous ai ramené deux petits drones parce que il se peut que ça cartonne encore un petit peu à Noël. En tout cas, à cela, c'est ce qu'on peut leur souhaiter parce que c'est quand même des produits pas chers. Alors, ils viennent de chez Parrot. Hein, il y en a plein des petits drones un peu gadgets. Mais on sait que Parrot aime les décliner. Maintenant, il y en a quelques-uns entre Parrot, Swing et Mambo qui sont ici, et puis Jumping Sumo, etc. Ça, c'est deux nouveaux drones Parrot. Ça, c'est des noms rigolos. Voilà. Swing, Mambo. Oui, alors celui-ci, le côté Mambo, va falloir le chercher parce que c'est celui-là. Mais en tout cas, celui-ci, il a quand même l'avantage d'être assez drôle, puisque on le voit là, il est. Hop, je vais me tourner vers la petite caméra. Si Noémie nous fait le petit cadrage, on va voir qu'il a une espèce de catapulte pour envoyer des billes. Voilà. Non, mais c'est... Donc d'ailleurs, Noémie, c'est on en parlait. Elle m'a envoyé des petits projectiles quand on était à la rédac. Exactement. C'est pas cool. Bon, alors, on pourrait le faire décoller là, mais il fait un petit peu de bruit. Ils ont pété un câble chez Parrot. Ah, ils ont pété un. Non, c'est quand même super drôle. Mais ça fait mal si on s'en prend dans la figure. Non, ça fait. Alors c'est quand même le mécanisme, il est quand même assez basique. Je vais poser le drone juste pour qu'on puisse voir. Grosso modo, il y a ici un mécanisme qui est en dessous. Il y a une impulsion qui est envoyée par des petits connecteurs qui sont aussi repris sur le drone, et ça tend en fait une petite partie qui est derrière, si j'arrive à la choper ou pas, voilà. Donc bon, bref, ça tend une petite partie qui est derrière et qui par un ressort catapulte la bille. Mais alors ça, c'est Bonaldi. Non, mais en fait il a fallu que ça 50 fois, c'est parce qu'il a comme il a fallu que qu'on se mette en mode avion pour éviter les parasites avec les micros, on va essayer maintenant de retourner dans l'application. Et bien sûr, ça se paramètre toujours, mais comme ça pour tous les produits Parrot, avec une appli que tu télécharges. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, tu l'as couplé, donc il y a un smartphone Android qui est couplé avec une manette. Et alors moi, je trouve ça génial parce que c'est vrai que j'aime pas trop piloter ces drones avec l'écran tactile. Directement avec l'écran, du smartphone, non, c'est pas terrible. Ouais. Et là, tu as carrément une vraie elle est sympa, on peut l'avoir en option. La manette, elle est livrée avec ce modèle-là qui est le Disco. Alors le Disco, 139 €, qui est lui aussi un drone d'intérieur. C'est deux drones d'intérieur. Hein. Donc celui-ci, il faudra même pas espérer l'utiliser à l'extérieur parce que c'est du polystyrène et ça vole. Et voilà, il est juste très très drôle parce qu'il va très très vite. Le retrouve exactement chez le voisin ou ailleurs. Il est drôle, ce drone. Donc celui-ci, il est voilà, ça, on s'y attendait tous. On s'est tous retenus. C'est pour Jérôme Colombin. Bon. Donc il y a effectivement ce petit drone. Et là, Jérôme Colombin, pour recommander. La télécommande, c'est vrai, comme tu le disais, François, qu'elle apporte beaucoup de confort, cool. Parce que les écrans tactiles, hop, de nouveau, je me tourne vers Noémie. Grosso modo, ressemble à ça, et c'est vrai que c'est pas génial. Et avec le joystick qui est livré avec le Swing et qui est proposé à 39 € en option pour tous les mini drones, ça fonctionne quand même beaucoup mieux, c'est beaucoup plus agréable. Et puisqu'on se parlait du lanceur de billes, attention. Noémie qui a peur de s'en prendre une. Voilà. Oui, dans la caméra. Panier. La caméra. Mais c'est dommage. Il a cassé le matos. On ne visait pas la caméra. Enfin, on n'a pas vu la caméra. Donc voilà. Encore une. Alors, je vais attendre qu'on ait le point sur le petit lanceur. Où est-ce qu'on le voit bien? Voilà. Noémie a mis son casque de vélo. Tac. T'es prête? Non, mais t'es pas sur la bonne caméra. Alors, attends. Ça dépend ce que tu veux montrer. On règle. C'est bon, j'entendais. Allez. Voilà, donc grosso modo, il y a un petit ressort qui part. Oui, donc ça se fait. Grosso modo, il a failli avoir Delphine. On a atteint la régie là. C'est drôle. On a atteint nos petits camarades de la réelle. On a pris combien cette petite blague? Donc ça, c'est 119 €, c'est 8 à 10 minutes d'autonomie, donc pas de performance sur l'autonomie. 8 à 10 minutes en fonction de si on porte la charge ou pas. Ça peut pas blesser un enfant, ça?
Ça peut être désagréable, je pense que si on le met dans l'œil. Oh, c'est comme un pistolet à billes. Après, enfin, on l'a entendu, le temps de chargement fait qu'en règle générale, on a le temps de tourner la tête, de se protéger. Ouais. Voilà, donc ça reste quand même très très drôle. Le drone fait quand même un petit peu de bruit. C'est un drone qui, pour un ado, moi je l'ai mis entre la main de mes enfants. Alors, ça doit être drôle. L'un a 7 ans et l'autre en a 12, mais les deux se sont amusés parce que avec la télécommande, ça prend du sens, c'est facile, on n'a pas peur de casser quelque chose. Donc ça, c'est quand même un beau joujou. Et l'autre fonction, puisque on peut avoir donc ce lanceur. C'est quoi, ravitaillement en vol ? Voilà, c'est la partie, donc il suffit de lui greffer cette fois-ci. Alors on va le monter juste très rapidement. Mais en fait, on peut lui ajouter une pince. C'est une brique de Lego ? Attraper des objets. Et donc là, si je lui demande de fermer la pince. Oh, c'est génial. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué à utiliser. Hein, parce qu'en fait, elle vient se greffer. Si je devais l'installer, alors le fil va être un peu court, mais. Ça va dessous, en fait tu peux prendre des trucs dessous. Ça va dessous, exactement. Tu sais, c'est comme les jeux qu'il y avait dans les fêtes foraines quand on était petit, où tu sais, c'était les pinces. Et tu devais essayer de prendre des cadeaux. Et tu n'y arrivais jamais, bien sûr. Ça prend 5 francs. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, on se prenait une claque des parents parce qu'on avait dépensé tout l'argent. Donc ça, c'est quand même assez drôle. Alors, ça, ok. Le disco est à combien ? Le swing, celui-ci, disco, c'est l'aile. Le disco et le swing, donc 139 euros. Là, c'est 119 euros. 139 parce qu'il a. Voilà, alors forcément. Qu'est-ce qu'il fait ? Il part pas tout très seul. Grave, c'est juste qu'en fait, je voulais le jeter parce qu'il y a une fonction qui permet de le jeter. On dirait quand même un gros moustique. Hein. Ouais. On a quand même envie de mettre une grosse Fonction qui permet de le faire décoller en le jetant. On va finir là-dessus. Ça, je suis sûr que ça sera. Donc voilà, donc 119, 139 euros puisqu'il a la télécommande. L'autre, ça sera à piloter. D'accord, 139, la télécommande est comprise dedans. La télécommande est comprise dedans. 39 euros si vous voulez l'acheter en option. Pas 15 mal. Euros l'option de la batterie. Voilà, parce qu'il faudra forcément en prendre d'autres parce que sinon, on va le faire voler 10 minutes et on sera un peu déçu. Les petits joujoux de Parrotte que David a testé pour nous. Allez, tu nous fais un lancer de drone là pour voir ce qui se passe. Allez, bah alors, en fait, drone d'intérieur, hein, tu l'as dit, sauf que on du coup, rappelle. Oui, drone d'intérieur. Bon, alors, moi, je vous laisse, à bientôt. J'aurais aimé que la télécommande... J'aurais aimé que la télécommande prenne la main pour ne pas avoir à piloter par l'interface, parce qu'avec le smartphone installé comme ça, ça va il va pas y arriver. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes très courageux et voilà. Nous allons essayer de vivre en direct le lancement d'un drone. Voilà. Ah ouais. Non, c'est bon, il n'y a pas de danger. C'est nickel. Ah, puis il a deux yeux jaunes, là, magnifique. Et là, il est en stationnaire ou tu le pilotes là ? Non, non, là, il se stationne. Alors, le seul truc, c'est que comme on a les tables en dessous et les micros... En tout cas, c'est bien, ça fait un peu d'air frais sur le plateau où il fait une chaleur Il nous faudrait ça. Ouais, on va demander à Porte, il nous en file 3 ou 4. Et puis, on va faire tourner ça en permanence. Voilà, c'est ça. Bon, ça fait un peu de bruit. Eh oui. Voilà. Et ça, pour Emric, va. Ça lui apprendra à avoir des joujoux très chers. J'ai démonté le petit jouet, mais... Bon, mais n'empêche, pour les démonstrations sur l'open drone, space, ça peut être génial. Il est très fort. Par contre, pour des combats sur l'open space, ça doit être super. Ouais, sympa. Voilà. Bah, quand j'ai sorti l'autre, je vais essayer de le poser. Hein, pour. Merci beaucoup, David. Et les tests à découvrir sur zeronet.com. Bravo, oui, tout à fait. La classe. Il vient d'obtenir son brevet de pilote de drone. Bon, on termine avec un petit coup de sondage ou pas ? Allez, dernier coup d'œil du côté de la question Zeronet Orange du jour. Les dash buttons d'Amazon, qu'en pensez-vous ? C'est toujours pas... vous n'êtes pas encore convaincu. Hein. Bon, c'est pas encore sorti, ça sort mercredi. Voilà, on verra peut-être à l'usage si ça s'avère utile ou pas. On testera, on vous racontera. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr pour un prochain Zéro en Live Hebdo. La semaine prochaine, chaque jeudi soir, 18h, 18h30, voire un petit peu plus, parce que là, il est 18h39. Il y a plein de vidéos à voir sur zeronettv.com. Passionnant en ce moment. Il va y en avoir d'autres prochainement. Qu'est-ce qu'on a en magasin qui va arriver ? Il y a le MacBook Pro. Il y a le MacBook Pro qui va arriver. Si tout va bien, on l'aura bientôt cette vidéo. Ouais. On se comprend. On se comprend, nous. Oui. Mais bon, c'est voilà. Voilà, il me semblait qu'il y avait autre chose à signaler. Mais bon, allez voir sur zeronettv.com. Faites votre marché, vous verrez, il y a plein de trucs bien. Il y a plein de trucs bien, voilà. Et si vous êtes fan de high-tech, c'est là qu'il faut aller. On vous souhaite une très très bonne soirée et à très très vite. Salut à tous.